Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'Astro Mini Sega. Alors, pas celle qui va sortir, mais une autre série limitée, puisque voilà, j'avais loupé pendant le TGS, et il y a Zapping du Monde Animal qui m'a laissé un petit message sur ma chaîne YouTube, et qui m'a dit qu'il y avait une version qui allait sortir avec des boutons roses. Ouais, des boutons roses. Donc, je vous propose qu'on aille voir la vidéo du TGS, puisqu'il y a eu plusieurs vidéos, autres que celles que je vous ai montrées sur mon live YouTube, et après, on regardera ça de plus près. En avant, les amis! Donc voilà la vidéo du TGS, celle-ci fait 11h43. Hein. Et vous allez voir ce qu'ils vont présenter. Ils vont nous sortir la petite Astro City Mini édition limitée, vous verrez après, avec les boutons roses. Voilà. Regardez comme elle est jolie. Alors on verra aussi qu'il y a une petite différence pour la transformer en New Astro City. Mais celle-ci, c'est la même qui va sortir avec la boule du joystick, les 6 boutons roses. Ils vont faire aussi la mallette assortie, bien sûr. La mallette assortie, le joystick assorti. Donc ça, c'est la traditionnelle qui va sortir. Ça sera vendu apparemment qu'en Asie. Japon, Chine, Taïwan, peut-être Corée. Mais voilà, donc il y aura une édition collector qui est limitée. Là, vous voyez une New Astro City. Vous voyez qu'il y a des boutons verts et des boutons roses. Voilà pourquoi il y a un deuxième modèle, série limitée. Et qui sera disponible en 1500 exemplaires uniquement. Donc ça va être très rare, un peu de spéculation pour les spéculateurs. Et pour les plus collectionneurs, eh ben voilà, une pièce rare à trouver. Donc, petite Astro City qui a l'air quand même bien sympathique. J'essaierai d'avoir peut-être la blanche et verte, on verra. La rose, non. Je pense que les préco vont partir dans les 5 minutes qui arrivent. Et dedans aussi, ils vont rajouter un petit jeu en plus. Enfin, c'est pas un jeu. Je vais vous montrer ce que c'est, vous allez comprendre. Voilà, il y aura ça dedans. Alors, je crois que c'est d'Autoricon. Je vais pas noter, j'aurais dû le noter. C'est en fait un petit programme qui servait à tester ben, pour ceux qui avaient acheté les machines dans les salles d'arcade. Voir si ça fonctionne bien avec des petits points. Si vous allez voir, il nous montre comment le jeu, le programme de test tourne. Donc là, il vous montre la petite carte où il y avait ça dessus. Vous mettiez dans la grosse carte de l'Astro City. Et voilà, ça sera un jeu en plus, on va dire. C'est pas tellement un jeu. Hein. Ça vous permet de tester si ça marche. Donc je crois que vous pouvez changer la couleur en appuyant sur un bouton. Voilà, mais je vous dis, c'est ce qu'il y avait, une petite carte qui permet de tester les machines. Ça sera inclus dans l'Astro City Mini, les deux versions, la version verte et enfin version bouton vert, version bouton rose. Ouais, bon, c'est pas très captivant. Hein. Voilà, donc regardez, ce que vous avez peut-être vu sur la miniature d'ailleurs, vous avez le stick avec le bouton rose, les joypads avec le bouton rose, la photo qu'on a vue du présentateur. Donc voilà, alors Dodricon, mais je crois qu'il y a un autre nom. Ça sera enregistré dans l'Astro City Mini. Ici, vous voyez ce que je vous avais montré tout à l'heure, la petite carte. Ça, c'est la carte d'Astro City. La carte System 16 et la carte d'Autricon. Il y a la différence de taille quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour l'Astro City Mini avant de vous montrer les photos? Ça sera une édition limitée avec Dodoricon, 37e titre. Ça sera limité à 1500 unités. Ça sera ouvert aux précommandes à partir du 14 octobre 2020 sur la boutique Sega. Les précommandes commenceront à partir de 13h, donc n'essayez pas de précommander avec Zen Market. Parce que le temps que vous leur dites je veux cette machine, qui clique, voilà, elle sera déjà vendue, hein, ça va se vendre, ça ouvre à 13h, à 13h20, je pense qu'ils ont déjà tout vendu. Il y aura donc deux types de versions, la version A et B, je vais vous montrer ce que c'est. Et regardez ce petit truc qui est dessus. Vous aurez cette petite chose que vous pourrez coller dessus et qui transformera votre Astro City en New Astro City, des faux haut-parleurs. Donc là on voit bouton rose, c'est sympa. Hein. Vous avez une photo du stick et du joypad. Le petit truc, par contre, il y a des photos de plus près, vous verrez après. J'ai pas l'impression que c'est nickel alors. Je pense qu'ils avaient une version d'essai. Mais là, vous voyez sur la photo, on voit des. La peinture a été rognée, donc je pense que c'était peut-être une pré-maquette. Voilà, j'espère que le produit final sera mieux. Et en fait, ça, c'est un petit truc adhésif. Pour ceux qui ont cette série limitée, que vous mettez sur le haut de la bande d'arcade et qui vous transforme votre console en New Astro City. Alors comme je vous disais, cette série limitée sera vendue sur le site segatoys.co.jp. Donc ça c'est le modèle vert qui sera disponible à partir du 17 décembre. Vous pouvez déjà la précommander. Il y a Space Harrier dessus, il y a plein de jeux dessus. Là vous avez une petite vue de la borne. Les jeux vous avez déjà vu, donc ils ont rajouté celui-là de jeu. Enfin si on peut appeler ça un jeu. 36 jeux plus ce titre. Il y a quelques perles, hein. Il y a Thunder Force AC, Arabian Fight, il y a Golden Axe 2. Après, je vous l'ai déjà dit, il y a voilà, le Puyo Puyo, il y en a 2 ou 3. Non, il y en a 2.
Vous avez le Gollum, c'est un A3. Puis c'est des jeux d'arcade, donc il y a Princess Ninja, ça va être un peu dur, je pense, avec Skid. C'était pas le plus facile. Après, voilà, je vous dis, il y a aussi Cotton, Space Harrier. Moi, j'en préfère Outrun. Shinobi, Shadow Dancer. Soit, il y a des bons titres. Bon, ils ont mis un Puyo Puyo ici. Vous voyez, Golooms. Petit jeu puzzle action 100% japonais. La console n'est pas prévue pour être vendue chez nous pour l'instant. Les Wonder Boy, le Virtua Fighter. La Golden Axe. Traduit par Google en âge d'or. Et la revanche de Dead Adder. Ah, bien sûr, pour Moto and Gay, il y aura. Altered Beast. Donc voilà, ça c'est le modèle vert qui sera sorti. Et vous allez voir le modèle rose. Alors bien sûr, vous avez le petit socle qui peut servir de tirelire. Et voilà ce qui va sortir. Donc vous aurez la version A. Avec la mini borne de bouton rose. Deux joypads de bouton rose. Le petit bandeau New Astro City. Que vous pourrez coller en haut de la machine. Et la version B qui elle est vendue. Avec la borne, pas de joypad, mais vous avez le joystick qui est assez gros. J'ai vu sur un article que c'était basé sur un stick qui était sorti pour la PS3 apparemment. Et le petit bandeau New Astro City. Après, ça sort quand même à 24 600 yens. Je crois que rien que la manette fait 130 euros. Voilà, vous êtes 120 euros et 120 euros pour la manette. C'est assez cher, mais bon, c'est une série limitée. Et ici, vous voyez un peu mieux sur le site de Famitsu, voilà. La taille du joystick par rapport à la borne est toute petite. Le petit bandeau qu'on colle. Donc soit vous gardez un Astro City, soit vous mettez ce bandeau et vous le transformez en New Astro City. Ça change pas grand chose, les haut-parleurs sont pré-percés, sont derrière. Là on a la photo du stick, le stick va être magnifique, vous pouvez le commander avec des boutons verts. Mais je vous le rappelle, c'est 120 ou 130 euros je crois. Après ça a l'air d'être une belle pièce quand même. Petit plexi dessus, des petits rivets. Et là, ce que je vous disais, le petit truc vous mettrez dessus, mais voilà, là, il y a des petits défauts de peinture dessus. Donc ça, alors je sais pas si ça s'aimante ou c'est adhésif. Si c'est adhésif, ben, vous pourrez le mettre qu'une fois. Si ça s'aimante, vous pourrez peut-être changer au gré de vos envies. Vous avez envie d'avoir une Astro City, vous l'enlevez. Vous avez envie d'avoir une New Astro City, vous le laissez. Après, je vous rappelle qu'il y a plein de gadgets qui sont vendus, donc le socle tirelire, le petit fauteuil, le petit cache qui vend dessus. Voilà. Ça, c'est un pack, vous l'avez vu sur Boutique Sega, vous avez aussi un tapis que vous pouvez mettre dessous. Là, vous ouvrez pour récupérer vos sous. Ils ont même fait les petites roulettes. Là, vous la penchez des roulettes. Le stick vert, qui lui sera disponible, comme je vous l'ai dit. Puis après, bon, pas grand-chose. Voilà, donc je voulais vous faire partager cette petite info. Encore merci Zapping du Monde Animal de me l'avoir dit dans les messages. Voilà, parce que je peux pas malheureusement tout voir et être au courant de tout. Mais il y aura cette version limitée qui va sortir. Je vous rappelle, 1500 exemplaires. Les précommandes seront donc vers le 14, je crois que c'était le 14 ou le 15 octobre, à 13h. Et elle sortira le 20 décembre. Et voilà, celle-là sera très très limitée. Et comme ça concerne que les Japonais, ils vont sauter dessus, je pense. Les plus fanas des fanas voudront le modèle avec des boutons roses. Après, peut-être que quelqu'un vendra des boutons modables pour être des boutons roses et la boule rose du stick de la borne. Pour nous, les Européens, pour l'instant, je voulais dire, rien n'est prévu pour une sortie Europe. On pourra précommander la mini borne Astro City via Zen Market. Alors, on va poser la question comment ça marche, mais en fait, vous dites à Zen Market de la précommander, ils vont la précommander et il faudra payer d'avance. Et si jamais ils l'ont, bah, ils vous l'enverront. Enfin, ils la recevront et après vous la récupérez. Si jamais il y a pas assez de stock, ils vous rembourseront bien sûr. Et voilà, vous avez ça. Après, vous en trouverez sûrement sur eBay, sur Amazon. Comme disait l'autre, c'est vous qui voyez. Donc allez, moi je vous laisse là. Comme d'habitude, vous aurez les liens en description de la vidéo. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!